l'intérêt d'abord du développement personnel, pas seulement de la conférence, c'est de grandir, c'est de devenir mature. Je disais souvent que le développement personnel à l'époque était réservé aux gens qui avaient déjà assouvi leurs besoins de base, les besoins de se vêtir, de s'habiller. Et c'est à ce moment-là qu'on rentrait dans la réflexion et le développement personnel. Mais aujourd'hui, on a la possibilité, avant d'avoir réglé tous ces problèmes-là, de venir écouter une conférence et de devenir mature, d'apprendre des choses qu'on aurait eu peut-être 10 ans, 15 ans de travail ou encore de recherche pour arriver à ce niveau de maturité. Donc, c'est ça le but, c'est de partager avec les autres pour faire grandir les individus. La prochaine est celle de septembre. Normalement, cette année, nous avons prévu d'en organiser 3, une en septembre et une en fin d'année. Le thème de la prochaine, c'est les blocages, aller au-delà de vos limites. Et j'espère que la date sera disponible très bientôt, selon que nous tombions d'accord avec les partenaires et aussi le lieu où elle va se dérouler.